Des 4 points ou quand même il manque quelque chose à ce match? Il manque un cinquième point. Satisfait de la victoire déjà. Parce que je pense que déjà on est ressorti frustré de la semaine dernière. Donc satisfait de la victoire. Après voilà, on est... aujourd'hui c'était la victoire qui était le plus important pour se rassurer déjà. Jouer un peu plus au rugby. Voilà, ce point de bonus, c'est sûr que tout le monde en parlait. Il faut d'abord respecter cette équipe de Massy quand même, malgré qu'ils soient derniers, je pense que c'est quand même une belle équipe, parce qu'ils nous ont mis en difficulté. Et voilà, c'est sûr que c'est ce point de bonus offensif, ouais, peut-être qu'il manquera, je ne sais pas, parce qu'on a tellement perdu de points avant qu'on ne va pas dire ouais, c'est ce point de bonus qui va compter à la fin. Je vais fêter la victoire. On met 40 points, c'est la première fois de l'année que l'on met, on fait un bon match. Et certainement il faudra s'endurcir défensivement pour la semaine prochaine. Juste maintenant on est une équipe qui défendait trop et qui peut-être attaquait un peu moins. Là on a sur les fins de saison on peut être plus ambitieux dans notre rugby. Et c'est sûr que l'idéal c'est de trouver un équilibre. J'espère qu'on va le trouver la semaine prochaine. Vous êtes à 7 points d'Ajac qui est 6e. Il reste 3 matchs. Est-ce que c'est une mission impossible aujourd'hui? Il n'y a pas de mission impossible. Mais on ne regardait pas trop. Nous, on voulait gagner les matchs. Et à la fin des matchs, on regarde les autres. On regarde les résultats. Il faudra faire un bon match la semaine prochaine. Il faudra essayer de le gagner. Et à la fin des matchs, on regarde les autres. On se dit ça, bien finir. Et comme on disait dans la semaine, on n'est pas loin. On n'est pas loin, il nous manque quelque chose. C'est sûr que si on a perdu trop de matchs à la dernière minute. On a fait 4 matchs nuls. Et si quand vous regardez les classements en termes de défaites, on est, je crois, les 3e équipe avec moins de défaites. Et on ne lâche pas un bon bonus à personne, on se bat comme des chiens. L'équipe est en bon état d'esprit, mais il nous manque quelque chose qu'on n'a pas su franchir ces paliers cette année. Il y a eu beaucoup de tournois dans la zone. Il y a eu beaucoup de tournois dans la zone. Moi, je crois que les matchs à Montauban qu'on avait en main, qu'on le perd après la sirène, Angoulême aussi, Angoulême. Parce que si on a 4 points de plus aujourd'hui, on est à 3 points d'Agen, et on n'est pas loin. Mais bon, on ne les a pas. Il y a aussi l'année à Colomiers, on laissé partir un point de bonus contre Rouen à la maison. Il y a beaucoup de points qu'on a laissé partir. Il faut toujours y croire parce qu'il reste 3 matchs. Si on n'est pas compétiteur, ça ne sert à rien d'être sur une feuille de match. Là, il nous reste 3 matchs. Oui, on va à Oyonnax qui est l'ogre du championnat, plus, qui nous attendent. Enfin, voilà, l'an dernier, ils ont gagné là-bas. Enfin, on ne calcule pas, ça ne sert à rien de calculer. Si on se fait 25 hypothèses, ça ne sert à rien. On est des joueurs de rugby, on est là pour prendre du plaisir, être sur le terrain et donner tout ce qu'on a. Donc, on va aller à Oyonnax avec des intentions parce que c'est le groupe qui le veut et tout le monde le veut, tout le club le veut. Donc on va y aller avec des intentions, on ne lâchera pas et on verra ce qui se passera après. Oui, c'est sûr que ça va être la guerre. Eux, ils sont fait tourner à Aurillac. Et quand tu vois l'équipe, ils ont laissé tous les cadres à la maison pour leur recevoir. Et ils sont en tête des matchs de l'an dernier. C'est très bien. Nous, on a une dernière chance, une dernière carte à jouer, on va jouer à fond. Après, nous, on va être agressif. Hein. Je mets les contextes déjà. On va être agressif. Après, nous, on a tout ou rien. Eux, ils ont des phases finales à jouer aussi, il faut les préparer. Et nous, on va faire pour faire un vrai match à rugby. J'espère que vous l'avez pris, ça sera. Et après, gagner meilleur. Hein.